Projet T-Rock. Je vous emmène sur Reims découvrir Protogonos. Ça fait plaisir de découvrir une nouvelle destination, car si je ne m'abuse, c'est la première fois que l'on se rend à Reims, et pour une première, c'est du lourd, du très lourd. Protogonos s'est formé en 2016, à l'initiative de Ben, le guitariste, et de Jérémy, le batteur. Le groupe va se stabiliser en 2017, et se mettra tout de suite à composer. Protogonos va vous servir un metalcore haut de gamme. Attendez-vous à un son puissant, des riffs de malade, des solos de ouf, une voix groulée qui renforce cette puissance. Non, vraiment, Protogonos, c'est du tout bon. Du metalcore, ok, mais avec une personnalité que Protogonos a su imposer et donne donc un metalcore au son assez unique, avec parfois, je trouve, une touche de death metal. Jetez-vous sur leur discographie, vous ne serez pas déçus. Parlons justement de la discographie. Le groupe a sorti un premier EP en 2017, mais par la suite, il n'a cessé de composer, avec pour objectif de réaliser un album. Celui-ci arrivera en janvier 2020, et que dire si ce n'est de foncer l'écouter, car s'il plaira aux fans de metalcore, il pourrait également plaire aux autres, même si vous n'êtes pas vraiment en phase avec ce son. Les solos sont démentiels et on ne peut que reconnaître qu'il y a énormément de talent dans ce groupe. Au niveau actuel, vous venez de voir leur tout dernier clip qui est sorti le 16 avril dernier. Le groupe a sorti un single en ce début d'année, accompagné d'un autre clip que je vous ferai découvrir à la fin de cette chronique. Ils continueront à sortir des singles en 2021, et ce jusqu'à la sortie d'un nouvel album qui est prévu pour la fin de cette année ou début 2022. Donc abonnez-vous à leur page Facebook pour suivre tout ça de plus près. Sinon, le groupe espère bien en reprendre la scène le plus rapidement possible, et le groupe poursuit sa collaboration pour faire vivre la culture. Trois membres de Protogonos ont participé au projet L'air et moi se bouge. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur la page Facebook Les Araki. Voilà, c'est fini pour Protogonos. Un groupe avec qui il faudra sûrement compter sur la scène métal. Avec plus de 11 000 followers sur Facebook, le groupe a su fédérer déjà une belle communauté et devrait voir celle-ci continuer à grimper s'ils continuent sur leur lancée. Je rappelle que j'ai lancé un Tipeee pour pouvoir réaliser des compiles pour les groupes qui sont passés sur la chaîne. Tous les détails sont dans le lien qui est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si la chronique vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Cela aide au bon référencement de la chaîne. Comme je le disais tout à l'heure, je vous laisse avec un dernier clip et cet excellent morceau, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao !